Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure exotique sur Horizon. Évidemment comme d'habitude, 4K 60 FPS, on se retrouve pour l'épisode 41. C'est incroyable les amis, mine de rien ça monte, ça a pris beaucoup de longueur à cause de Ziquari, parce que Ziquari, vous étiez à fond dedans et je voulais pas vous couper. Mais nous sommes bien de retour évidemment sur Horizon et ne vous inquiétez pas qu'on compte évidemment bel et bien le terminer. Direction trouver Alva et ensuite il faut se rendre dans la tombe ou sur la tombe de Ted Faro. Alva est à 1,6 km, ça fait une sacrée trotte je peux vous le dire. Et j'ai malheureusement plus ma monture, donc ça c'est un petit peu terrible. Il faut que je trouve un endroit, si je puis me permettre, à monture. Voilà, un endroit qui monte et qui démonte, comme on dit dans le milieu, histoire que je puisse récupérer ça et que je puisse courir très rapidement, très loin et très très fort, évidemment. Hop, bougez pas, hop, on active ce feu, comme ça, ça c'est fait. N'oubliez pas qu'on avait aussi un creuset, évidemment, à aller voir, mais bon. On va essayer de se concentrer sur l'histoire principale. Je pense, très honnêtement, je sais que je le dis beaucoup dans beaucoup de jeux, mais je pense quand même que je retournerai un petit peu sur du Horizon pour des quêtes annexes. C'est quoi qu'on a vu là-haut? Là, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un centre d'entraînement. Non, une zone de chasse. Mais il y a tellement à explorer sur la carte et tout. Je pense que si on veut faire le jeu à 100%, ça nécessiterait 100 mythos, au moins 150-200 épisodes et c'est pas des lol, je vous le dis. Ok, on va aller récupérer le feu de camp. Oh, on se croirait un petit peu dans The Last of Us ou Days Gone, tu vois. Ok. Oh. Attends. C'est tout, je ne peux pas regarder. C'est terrible. C'est terrible. Là, on a un feu de camp ici. Attends, c'est stylé ici. C'est des méchants, c'est des gentils. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en coulisses? C'était ici? Non, c'était pas ici. Quelle est cette quête? Aller à la zone de chasse. Ah non. Ok, j'ai paniqué. Alors, vendeur d'armes, dis-moi tout. Est-ce que t'as une belle offre pour moi? Il a peut-être une belle offre pour moi. Ok. Arc de précision, arc de chasseur. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, j'ai même pas les ressources nécessaires. Ok, on se casse. On se casse, j'ai même pas les ressources nécessaires, donc c'est assez terrible. On continue, il reste 1200 mètres, on n'a pas parcouru grand chose. Et il faut vraiment... Alors attendez, je suis fou ou quoi là? Il faut que j'arrive à trouver a fucking défouisseur. Il faut que j'arrive à trouver de quoi me barrer en fait, je comprends pas. Il nous faut une monture là, non? On va pas s'en sortir. Hein. Attendez. Il me faut une monture. Il nous faut aussi des animaux. Qu'est-ce qu'on a là? Un pécari. On va se le pécariter. Ok. Un pécari. Bon, c'est pas ce qu'on recherche, mais on prend quand même. Et là, il faut que j'arrive à choper le petit feu de camp qu'on a au passage. Ce qui est bien, c'est qu'on a des feux de camp un peu partout. En vrai, pour les TP, c'est très très cool. C'est pour ça que j'y tiens à les activer tous et toutes. Oh, 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 c'est beau. Alors, attends. Moyen que ça soit là-bas, hein. Il y a moyen que ça soit là-bas. On tombe un petit peu trop avec le planeur, si vous voulez... Okay. Qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? On tourne un petit peu trop avec le planeur. Voilà, si on doit faire un petit reproche, ça serait bien que le planeur il plane un petit peu plus et il tombe pas comme une crotte. Parce que là, c'est vrai qu'il va quasi en angle. Voilà, hein, en angle très trop resserré. Hein. Ok, on a quelque chose. 900 mètres. Oh! Qu'est-ce qu'on a là? Rien d'intéressant.
Yes. Je crois que j'ai débloqué un nouveau, de nouvelles capacités. Alors, se battre ici, ça doit être terrible, hein, je vous le dis. Ok, on a de la moisissure. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Ouais, je suis court comme un T-Rex, frère ! Ok. Ok, on a un nouveau drone de repérer. Je suppose que pour le choper, il va falloir se lever tôt. Là, on a une grosse cité, mon ref. Marépine. On a Alva toujours. J'aimerais bien voir dans la thèse ce qu'il y a à vendre. Que l'honneur t'accompagne. Bonsoir, messieurs. Ne recommence pas. Comme ça, ne recommence pas. J'ai juste cueilli une plante. Qu'est-ce qui se passe? Ok, Marépine, c'est ici. Alors, oh, ça va être encore le merdier, ça, je vous le dis. La cuisine, elle est là. Oh là là, ça va être encore... Oh non, je suis désolé. Ok. Oh non, on a les trappes pour l'enfer. Et qu'est-ce qui se passe? Oh non. Oh, ça arrive qu'à moi, bibiche. On se calme. Oh non, je crois que je suis vraiment Keblo par contre, les gars. Oh. Ok, c'est bon. J'ai eu un coup de chaud. Un coup de chaud, un coup de chance, un coup de toi, un coup de moi. Ok. Alors, attends. On a un tailleur. Tailleur, il fait quoi? Il taille. On a... Putain, mais c'était... Attendez, mais je ne vois rien, en fait. Hein. Vraiment, c'est horrible. Hein. C'est chiant, putain. Ok, je crois que c'est à l'autre bout, là-haut, là. On va essayer de passer par les hauteurs. C'est... Leur truc, c'est mal foutu, hein. Qu'est-ce qu'on a? Le peintre, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le tailleur, ici. Donc, il a sûrement des trucs cool à vendre. Je te connais. Ouais. Par tu veux ici. Pas me parler, mon ref? Ouais, je peux me servir de ça. Qu'est-ce que tu fais? J'imagine la meilleure armure que tu puisses avoir. Digne de la championne des carreaux. Je t'ai pas demandé quoi que ce soit. Mais ça me fait plaisir. Tu devrais en être honoré. Tout soldat d'exception porte une de mes armures. Même le chef est carreau. Apporte-moi les matériaux qu'il me faut. Et je te ferai quelque chose qui fera pâlir d'envie les trois clans. Oh. Ok. Ça, c'est stylé. Ça, si je puis me permettre, c'est stylé sa mère. Un cœur de Vulpivole. Un cœur de Vulpivole. Je sais pas où ça se trouve. Ça a l'air dingue. On entretient toujours. Une soldate de ta trempe devrait porter une armure d'exception. Un cœur de Vulpivole. Où on peut trouver ça, mes petits potes? Un cœur de Vulpivole. Se trouve uniquement sur les Vulpivoles suprêmes. Site inconnu. Eh ben, c'est embêtant. C'est embêtant, c'est embêtant. Et c'est ce que propose la forge d'Oka. Ouais. Putain, mais c'est pas vrai, ça s'arrêtera. Attendez. Établi. Oh non, l'établi, il est en bas. Oh non, j'ai envie de mourir. Régala a attaqué le coup de route. Attendez, là, c'est une étrangère qui l'a défendu. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Oh la vache! C'était terrible. C'était terrible. Bon, amélioration de sac, le plus important, toi-même, tu sais. Et grâce à la fourchette de canard, nous pouvons améliorer gain des pics, augmente la quantité. Oh là 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 là, ça c'est beau, c'est beau. Et là, je parie que je peux rien faire de plus en vrai. Ok, et où est le marchand? Je pense que ça, c'est la ville un peu ultime, tu vois. Ok, on se casse.
Bon, écoutez, on va essayer de trouver les trucs extrêmes. Et si vraiment on trouve pas, on prendra une armure avant ici. C'est pas grave. Ok, un Pécari. Là, y a rien. Belle-mère. Nouvelle fosse de combat. Pécari. Et merde. Ok, on essaye des choses. Qu'est-ce qu'on a? Des Pécari. Veux-tu des Pécari? En voilà. Il faut que je monte là, les gars? Non, c'est bon, je peux longer la mer. Je peux longer cette petite cause. Cette petite côte, pardon, on est à San Francisco là, non? Je reconnais ça, pas du tout. Oh là. C'est le moment de sortir les munitions électriques. A fucking crocodiles. Viens là, bibiche. Hop, allez mon pote, je me casse. Hop. Pas de sous, j'ai dit. Putain, la Alva, je sais pas où elle est. Mais ça, c'est terrible. Où je vais, là, bordel de merde? Elle est encore à 300 mètres. Je dois être prudent. Ça me paraît si près, mais si loin. Putain, c'est une belle escalade, ça, hein. Belle escalade que je vous propose là. Hein. Ok. Parfait ça. Y'a rien là sur ces flancs, y'a forcément des trucs ouf. Pécari. Putain, mais y'a que des putains de Pécari dans le jeu, hein. Qu'est-ce qui se passe? Y'a que les Pécari qui survivent à la fin du monde ou quoi? Ok, ça c'est quoi ça? Je prends. Ça c'est quoi ça? Je prends. C'est une pierre. La pierre à l'édifice, peut-être. Ok. Et Alva, je sais pas où elle est cachée, les refs. Hein. Elle doit être dans un buisson tout en haut d'une montagne. Elle attend de me faire une surprise depuis Horizon 1. Oh putain, encore un Pécari, j'en peux plus. J'en peux plus, y'a que ça. Y'a que des fucking Pécari. Qu'est-ce que c'est que ça? Un fouisseur suprême. C'est pas ça hein, qu'il me faut. Hein. Attendez, un fouisseur suprême, moi je me le fais. Hein. Un fouisseur suprême, moi je me le fais. Parce que je crois que ça va débloquer une tenue tarlifou. Allez mon pote, ça, c'est Bibi qui régale, t'en fais ce que tu veux. Ok.
Ok, il me lâche rien de ouf. J'aime bien faire des mouvements en même temps. Watch! Hop, ça c'est dans les FFS. Parfait. Oh putain, c'est quoi ça? Ok. Je pense avoir compris. Pour avoir le cœur, il faut faire quelque chose de bien particulier. Wow. Ok. Oh beau. Je peux. Ok, regardez. Il y a du violet. Très bien. Là, il y a du légendaire. Donc, c'est les défenses de fouisseurs. Je pense qu'on en aura clairement besoin. Ok. Ça, c'est beau, ça. Putain, j'en ai savaté pas mal, hein. Ok, pas mal. Dommage que c'est pas exactement ce qu'on voulait, mais bon. Eh, on prend les potes, hein. On prend. Ok. Terrible. Là on est bon. Oui Alva. Je mets ça dans mon... Voilà. Je vais Elle pouvoir traverser pour rejoindre Vifter et Alva. C'est beau hein. Oh c'est beau hein. Personne. Oh c'est beau hein. Bizarre. Bon. Rien ne m'empêche d'aller... prendre un bateau. Un bateau pour l'île aux aiguilles? Ah ouais? Comment ça? On va où là? Non, dites-moi pas qu'il y a une petite île à explorer en plus de la gigantesque map! Personne ne garde ce côté du ferry non plus. Où sont les Quen? À vivre. Ok. Ok. Donc il y a bien une île en plus à explorer. Je devrais y aller. Ça doit être au nord-est. C'est bon ça. Très bon ça. Donc là on est sur une île. Peut-être qu'ils sont là les oiseaux légendaires. Ça c'est pas mal du tout. Ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien, hein. Ok. Les potes, on a déjà 21 heures de jeu, faut le savoir. Alors, attends. Site. Tracker et... ok.
Putain, mais il y a encore des pécaries ici, bordel de merde. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Attends. Et ils ont l'air plus chauds. Des galop grips de feu. Ça servirait à rien de l'enflammer. Ouais. Ok. Toujours des fucking curry. Mais attendez, je sais pas par où je vais là, moi. Je tente des trucs, mais déjà là, c'est pas la bonne direction. Voilà, c'est full explo, hein. C'est full explo. Ça me rappelle quelque chose dans les trailers. Oh non. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Les potes. C'était pas ça le truc suprême? Oh là là. Ok. Ok, 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 ok. Bon. Très embêtant ce qui se passe. Il a la tête renversée. C'est sûrement un veilleur rouge. Ok. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. On est beau, hein. Putain, on est bien ici, hein. Bien ça. Oh non. Quelle tristesse. J'en mets littéralement plein la gueule. Wow, c'est beau ça. Calme, calme, calme. Ok. On continue. Oh là là. Oh. Désolé mon pote. Désolé mon pote. C'est une noix ça? Pélican, ben non mais une noix, je suis un connard aussi. Moi. Bon par contre il a pas ralas hein. Un autre grand coup. Ok. Bon, attendez. Peut-être qu'avant de faire le grand coup... Eh, c'est vrai que niveau grand coup, on n'a pas fait grand-chose, hein. Il est où, le grand coup? Je le vois même pas. J'ai bien envie de le tâter. On va tâter le grand coup, les potes. On va tâter le grand coup. De toute façon, je pense qu'on va rester un peu de temps sur cette île. J'espère qu'il est pas trop loin. Where is the grand coup? Putain, attends, les pélicans, ça régale pas, frère. Oh! Un crabe, on prend.
Yes. Je crois que j'ai débloqué en plus la capacité de faire encore autre chose. Et ça, c'est beau. Ok. Putain, il me faut... C'est pas possible, le pélican, il doit forcément offrir quelque chose d'autre que du bleu. Il n'a pas que ça à donner. Ok, là-haut, on va y aller aussi. Bichette, voilà, ça fait du boulot. Que mon focus a capté. Des étincelles. Je dois être prudente. Ok, goéland. Très très bien. On y va au calme. Ok. Je crois que ce grand prix ne marche pas. Mon focus pourra peut-être m'en dire plus. Ok. Alors, est-ce que c'est faisable? Très bien. Et ensuite? Voilà. On dirait que quelque chose a renversé ce grand prix. Courant, peut-être. Je devrais me pencher sur les dégâts. Là, je ne comprends pas. Ok, là, on a quoi? Faire quoi? Ah, la pile. Pile de débris. Je devrais descendre pour voir à quel genre de dégâts j'ai à faire. Putain, mais c'est... Je vais vriller. J'ai pété mon crâne. Ok. Parfait. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a à faire par ici? Ok, examiner la pile. Il manque des pièces. C'est ce que l'étincelle a porté? Je pourrais peut-être les trouver dans son lit. D'accord. Attendez, on va prendre ça. Sculpture antique. Il manque des pièges, j'ai pas compris. Ça, c'est ce qu'on a retiré. Dans son nid, mais où est son fucking nid? D'où un grand coup à un nid, frère? Là, peut-être? Je sais pas. Je travaille par logique. Alors là... Je crois qu'il y a un bail. Ah non, c'est pas ce qui m'intéresse. On prend... On prend... Alors là, je suis... Je suis bien embêté. Je suis bien embêté. Grand coup, il faut être niveau 30, on est niveau 25. Récupérer les pièces manquantes du grand coup. Je veux bien. Ah ok, j'ai. Récupérer les pièces à 130 mètres et 200 mètres. Ok, on y va les gars. On y va, on y va, on y va, on y va. On va finir l'épisode sur... Oh ben non, mais j'ai envie de les récupérer, j'ai pas envie de terminer l'épisode comme ça, moi. Oh, qu'est-ce que c'est? Les munitions de gel ne lui font rien. Okay. Très bien. Alors, récupérer... On va récupérer au moins une pièce. Ces pièces de grand coup doivent être quelque part là. Je dois les récupérer. Ok, comment on monte là-haut? La question à 150 000.
D'accord, je crois avoir... ok, je crois avoir pigé, je crois avoir pigé. Let's go. Bon, on va récupérer au moins... au moins une pièce. Ah non, attends, j'ai peut-être pas si pigé que ça. Si, regarde. Attends, on va passer sous l'eau parce que l'autre il me crame. Ok. Ça. On va pas se faire chier. J'ai eu chaud. Très bien. Ça dégage. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Et ça, qu'est-ce que ça lâche? Parfait. J'ai une caisse ici, mais alors la caisse, je vois pas où la mettre. Comme ça? Ok, super, ça coule. Non? Ah, c'est embêtant. J'ai une idée. Mais oui, c'est clair. Ok. Très bien. Très très bien. Ok, ça c'est fait. No problem. Parfait, parfait, parfait. Un nid d'étincelles. Je me demande si c'est ici qu'ont atterri les pièces du grand coup. Ok. Parfait, une pièce. Une pièce, les amis. Ça, c'est fait. Et vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du horizon, bah les couilles, je continue. Je suis désolé. Croyez-moi que le grand coup, il va nous régaler. Ok, c'est à 100 mètres. Très bien. J'ai pas compris ce que je viens de faire. Oh non. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, écoutez, on va chercher la deuxième pièce. Et on va activer ce grand coup. J'en ai rien à foutre. Je veux que cet épisode soit fondant croquant. Putain, le jeu est tellement beau, par contre, c'est impressionnant. Hein. Je pense vraiment que c'est la plus grosse claque de l'année. J'ai pas vu, pour le moment, quelque chose de plus chatoyant que ce qu'on est en train de voir. Non, non, qu'est-ce qui vient de se passer, Zinedine? C'est totalement fou. Comment? On va réessayer une dernière fois. Hop. Superbe. Superbe. Ok, mais ça on peut pas ça y aller. On peut, c'est un truc en sens inverse, ça n'a pas de sens. Ok. Très bien. Mais je crois que je me casse les cacahuètes pour rien. Je crois que je me casse les cacahuètes pour rien, les amis. C'est un autre chemin. On se barre. Vous avez vu au fait hein, ce qu'il y a voilà, ce qu'il y a ici. Un gigantesque monstre. Alors, oh là là.
Ok, parfait. Parfait, parfait. Deuxième pièce de bronze. Allez, ça dit. Wouah! Il est parti en enfer instantanément. Je vais récupérer la pièce que j'ai vue au mur. Il est parti en enfer instantanément. Y a pas eu de blabla, rien. Ok. Je devrais rapporter ça au grand. C'est bon, c'est fait. Ça a l'air d'être fait. Parfait. Sugoi. On peut se casser les potes. Ah non, c'était très drôle, hein. Je sais pas où il est, là. Voilà. Allez, parfait. Bon, on va ramener ça au grand coup. Et on aura fait un grand coup supplémentaire qui va nous dévoiler une grosse partie de la zone. Et peut-être même le lieu où se trouve la délinquance des oiseaux. Allez, let's go! Eh, je vous avais dit, hein. On finit l'épisode avec. Avec au moins cette découverte. On va faire des épisodes un tout petit peu plus longs. C'est normal. Ça marche. Vous en avez pas eu pendant longtemps. Et il faut se remettre un peu dans le bain. Donc c'est bien que ça soit aussi que de l'exploration. Ça permet de se remettre un peu dans le jeu. Alors. Ok. D'accord, donc. Je suppose que. C'est peut-être dans l'eau, non? Je sais pas. Ah ouais, putain, c'était là. Allez. On va remettre ça là. Allez, let's go. Vous croyez que ça va décoller de l'eau ou pas? Et ça va refaire une ronde? Ah! Eh bien oui! Arrêtez-vous, monsieur! Oh non. Monsieur! Je viens de vous réanimer. Putain, merde. Je ne connais pas son chemin. Si j'arrive à atteindre le sol, je pourrais peut-être sauter sur ce grand. Si j'arrive à atteindre le sol, oh merde. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas vrai! Par où puis-je passer? Non, mais c'est une blague, hein. Non, c'est une blague, les gars. C'est pas cool. Merde. Non, mais attends. Les gars, foutez de ma gueule. J'ai fait tout ça pour ça. Je vais vriller. J'ai envie d'exploser mon crâne. Mais c'est pas vrai. Je devrais aller voir sous l'eau, trouver un lieu. Oh là là. Ok. Y a-t-il un accès par ici? Est-ce que quelqu'un a vu un potentiel? Oh non, c'est par ici, je pense. Ah ouais, putain.
C'est totalement par ici. Comment ça coûtait cher ce grand coup, hein. Je devrais pouvoir sauter sur ce grand coup d'ici. Oh, c'est beau, hein. Oh, on finit sur quelque chose, je vous le dis, hein. Ok, Sugoi. Sugoi. Oh là là. C'est tellement classe. Let's go. Ok, il y a du boulot, les potes. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter juste ici. On va s'arrêter juste ici. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Ça fait extrêmement plaisir. Moi, je vais rentrer à la nage pour aller save. Évidemment, on a des points de compétence à s'appliquer. Nous sommes d'ailleurs, par la même occasion, niveau 26, alors que c'était un grand coup de niveau 30. C'est plutôt cool. Allez, à bientôt, à demain, après-demain, on verra pour la suite de notre incroyable aventure sur Horizon. Bisous tout le monde, bye bye.